Et salut les petits culs, nouvel épisode sur Palworld en nocturne, donc je ne gueule pas, tu vois, voilà, il est tard chez moi, il est exactement minuit 39, même au moment où j'enregistre, mais c'est une addiction ce jeu. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu. On a créé du coup notre base, écoute, je pense que si t'es là, t'as suivi les deux premiers épisodes. On a pour le moment pas beaucoup de pales non plus, mais on doit absolument faire évoluer le camp. Donc, attendez, c'est pas ça, on doit aller dans améliorer le camp. Là, on a fait le lit de fortune, on a passé la nuit. Il nous faut 3 lits en paille. Et bah ça, on a ça. On a ça. Il faut qu'on fasse évoluer le camp pour pouvoir mettre des pales. Une fois qu'on a mis des pales dedans, ça bosse et tout le camp devient autonome. C'est l'idée. Voilà, là on bosse ensemble. On bosse avec Paul Willem Sen actuellement. Donc j'enregistre là, les 3 premiers ont été enregistrés à la chaîne. Et ensuite je vais regarder tous vos commentaires pour enregistrer la suite. Donc il y aura peut-être vos noms mais en décalage, tu vois. Soyez sympa, soyez indulgents avec moi. Tous vos noms de Pokémon, parce que bien évidemment on va rename tout. Tout ce qu'on peut, on va le rename. L'objectif là c'est faire évoluer le camp, tout ce qui est période un peu craft et tout, tu vois, je ferai ça peut-être, voilà, sans vous, voilà, où je mettrai des stocks pour qu'on puisse vraiment avancer, vivre des aventures, aller niquer des boss, récupérer, voilà, en explo beaucoup de pals et prendre beaucoup de plaisir. Tu vois, genre eux là qui passent dans la base, hein, t'inquiète qu'ils me chauffent parce que c'est des super montures. Et en fait, eux ils sont trop bien parce qu'ils pètent du bois. Et je pense que là actuellement ils vont me défoncer. Tu vois, niveau 11, moi je suis niveau 10. En vrai, je peux les baiser, mais. J'ai le cœur sur la main. Ça me gênerait de leur faire du mal un peu. Non, ils vont me défoncer. On va réparer ça, ça mange pas de pain. Le reste est à peu près clean. Est-ce que je peux déposer des trucs? Les cailloux, le bois. Ça, je peux le déposer. Ça, je peux pas le déposer. Attends, bah, je vais récupérer les œufs. Ah non, c'est lourd les œufs. Je vais me faire un truc à œuf. Si tu vois ce que je veux dire. Je vais me faire un truc à œuf. Je peux le déposer. Je range un peu tout. Les œufs, tac, tac, tac. Ça, c'est intéressant. Faut que je construise aussi un truc comme ça. Ok. Bon, toi, viens avec moi. En gros, il faut que je donne de la nourriture pour les pals. Là, est-ce que je peux déposer des gars? Du coup, techniquement, je pourrais déposer un autre gars. Lui, il va chercher du bois, donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant qu'il aille nous chercher du bois, Paul. Lui, il va nous chercher du bois. Le renard, là. Philippe Etchevest, il nous fait de la cuisine. Et lui, là, le Claybars. Putain, il est mort de chez mort, lui. Le Claybar, il est censé nous faire une petite ferme, là. Là, il y a une petite ferme, là. Ferme. Ok, on va mettre une ferme. Une ferme. À la ferme. À la ferme, ta gueule. Ok, on peut la mettre là. Elle est un peu enfoncée. On est au bord du camp. Moi, j'aime bien l'idée. Bon, c'est un peu enfoncé, un peu chelou, mais en fait, si on met là, ça va nous gêner. On peut le mettre au milieu du bois. J'ai l'impression que c'est un peu buggé. On est dans une zone hyper buggée. Là, je sais pas s'il y a pas un arbre qui va repousser, tu vois. Alors que là, je sais qu'il y avait rien. Voilà, on met ça comme ça, voilà, c'est une petite ferme. Petite ferme de rien du tout. Comme ça, le bordel, en fait, il fait sa life dedans. Il fait sa life dedans et il va se faire plaisir. Là, on met une petite ferme. 1 minute 10. Sans déconner. Je vais le laisser bosser. Hein. Je vais le laisser bosser. Autre chose à foutre, moi. Faut que je construise genre des tonneaux. Moi. Voilà, il va faire la ferme. En vrai, la ferme, elle est bien, là. La petite ferme ici, c'est cohérent, à côté de la baraque. Là, on a un grand espace, je sais pas ce qu'on fera plus tard. Non, on est bien, on est bien, on est bien. Je crois qu'on est bien. Je vais mettre des tonneaux devant. C'est où les stockages? Tonneaux, c'est pas mal, des caisses. On peut pas? Putain, il manque de bois. Mais mec, sans déconner, mec, ça va vous... Vous le mangez, le bois, ou quoi, là? Putain... J'ai quoi qui va me chercher du bois? J'ai mon Paul Willem Sen. Il faudrait que je prenne genre peut-être un autre singe. Parce que là, le bois, vraiment, ça va être talasse. Ah, tu passes beaucoup de temps à craft, en fait. Bon, les gars, je retourne crafter. A tout de suite. Ah, j'étais en train de crafter. Et qu'est-ce que j'entends là-bas? Regarde-moi ça, Paul Willem Sen, là. Voilà, il nous fait du bois. Il nous fait du bois. Et le truc, c'est que je sais pas si... Et là, regarde, tu vois, dans la ferme. Regarde-moi ça, ça me pond des petites laines.
Donc ça me pond des petites laines. Lui, il nous fait du bois. Nickel, ça. Super. Moi, faut que je vous mette des petites baies. Ah ouais, mais pour les baies, du coup, il faut que je... Et ouais, il faut que je crée une espèce de... Et ouais, espèce de structure pour que tout le monde soit content, quoi. Et ouais, 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 j'ai pas pensé à ce petit détail-là, mais en gros, les baies... Ouais, il faut que je fasse des trucs, quoi. Ouais, en fait, les baies, il faut que je fasse une plantation. Mais là, on commence à avoir des trucs, donc on va pouvoir le faire. Bon, ça, je sais pas où le foutre encore. Là, on va foutre plutôt nos... Là, est-ce que je mettrais pas, genre, des tonneaux en dessous, là? Je peux pas? C'est chiant de pas pouvoir mettre des trucs un peu côte-côte, là. C'est dommage. Ou alors, je mets des tonneaux juste là, là. Alignés, en beau gosse. Pas mal, ça. En beau gosse, des tonneaux. Qu'est-ce que tu racontes, mec? Je sais pas... Ah, j'ai plus toute ma tête, ok? J'ai déjà plus de bois, mais je vais péter un boulard. Je vais péter un boulard. Est-ce que j'ai pas un mec qui peut m'aider, là? Ah bah voilà, il est là, le titan. Mais bien sûr, il vient de moi. Aide-moi, mec. Un frère. Un frère. Et il va vite, en plus, par rapport à moi. Je suis une qui chasse, moi. Alors, on met du tonneau, on met du tonneau. On met du tonneau. Reste là, reste là, reste là, ça... Qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il fout, putain? Il est parti foutre quoi, le con? Je lui ai donné une pause, moi? C'est quoi, ces mecs, là? Ça veut plus bosser, les jeunes. Les jeunes, tu sais que je te dis? Les jeunes, ça veut plus bosser. Non, mais c'est fou de faire ça. Bon, certains me diront, oui, tes tonneaux sont pas alignés. Je suis au courant, ok? Je suis au courant, ça me stresse déjà. Mais c'est pas hyper pratique pour aligner dans ce jeu, là. Et là, il revient. Parti faire quoi? Il est parti pisser, le con? Il est parti mettre du bois en l'air? Il est parti le foutre où, son bois? Il est mis où, le bois? Putain, c'est pas le dernier des cons, lui. Tu as mis où, le bois, là? Oh! Non, 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 c'est... Non! Non! C'est un beau gosse, hein. Donc là, là-dedans, je peux mettre plein de trucs. Ah, c'est quand même bien puissant, bien profond. En vrai, c'est... Il y en a autant que là? Ah non, il y en a un peu moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on en met 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, c'est moins bien. Et tu mets ça où, mec? Non, on veut... Il met ça où? Je me demande s'il passe pas par le haut pour le mettre dans la caisse du bas. Regarde, typiquement, là, il y va. On est à 7. Regarde-moi ce gros con. Mec, je te jure que si c'est ça, le jeu est bien codé. Hein. Putain, mais putain. Je bosse avec des ânes, on n'est pas aidés, bordel. Non, mais vas-y, va rentrer. Ouais, fais-le, fais ton truc, je m'en bats les couilles. Putain, on n'est pas aidés, hein. On n'est pas aidés. On n'est pas avec les vraiment les couteaux les plus aiguisés. Hein. Ah putain, c'est... Pfff. Non, voilà, c'est mentalement, faudra tenir, quoi. Bon, là, il faut que je fasse peut-être un truc de baie. Mais si je veux faire un truc de baie, il faut absolument que je fasse un... Ça, faudrait que je fasse ça, mais j'ai pas assez de bois. Pas assez de tissu. Ça, c'est intéressant aussi. Ça, c'est pas mal, tu vois. Ciri et carrière, en fait, ça permet de... Sans ressources, tu vois, ils font que ça. C'est pas mal. En soi, c'est pas mal. Plantation. On va mettre une plantation. Les plantations, je pense qu'il faut mettre tout au milieu. Tu vois. En vrai, petite plantation en plein milieu, là. Beau gosse. De toute façon, là, le terrain est trop aride. On va se mettre un carré de plantation, là. De toute façon, je peux pas en faire 200. Je vais en faire qu'un. Bon, j'en fais qu'un, je le mets là, en plein milieu. Voilà, les plantations. Comme ça, tu sais, ils ont pas loin où aller. Voilà. Allez, on y va. C'est pas mal. J'ai faim. Il faut que je m'occupe de la bouffe, quoi. Il faut que je leur fasse une caisse juste à côté pour qu'ils mettent tout dedans.
C'est du boulot, les gars. Putain, faut essayer de faire ça, là. Construire une boîte à nourriture et tout. Ok, semer. Je peux semer? Il sème. On sème, tu veux dire. Il me faut un Pokémon arroseur. Il me faut un arroseur. Donc là, voyage rapide. Attends, il faut que je mange. J'ai pas assez de... J'ai 6 babales, ça devrait suffire. J'ai que 11 flèches. Mais j'ai plus de bois. Ah putain, j'ai envie de crever, j'ai envie de crever. Putain, je peux plus rien faire, je peux faire ça quand même. Je vais faire ça, c'est une armure, ça mange pas de pain. Fais ça au moins, c'est une armure, hein. Toujours ça te prie. L'autre il vient m'aider 8 ans plus tard. Putain, c'est le pire, le titan originel, c'est notre premier. Hein. On va le garder jusqu'au bout. Hein. Mais putain, c'est pas le plus finaux. Hein. Là, je terminais, la boîte à pales peut être améliorée. Ok, nickel. Ça, c'est bien. On va améliorer la boîte à pales. Ok. Bien joué, mec. C'est le meilleur. Reste toi-même. Bon, l'autre, il pompe plein de trucs, c'est cool. Ça, on peut l'améliorer. Améliorer. Déployer des pales actives sur le camp. Oh, bah, je vais faire ça, ouais. Bah, l'autre clébard. Voilà, je te mets le clébard. Le problème c'est qu'eux ils servent à rien, c'est pas les meilleurs quoi. Je crois qu'ils sont monotaches et ils font que... Ah non, ils peuvent faire de la collecte. Ah donc en gros ils pourront collecter ici. Mais... Ah c'est pas du génie. Faut que je leur donne à manger. Donc là je leur laisse ça. Sinon ils vont crever la dalle. Putain le con il a tout pété mais... Il transporte pas, juste il laisse tout sur place. Il a fait du boulot quand même. Hein. Attends, j'ai bien aimé, il a fait du boulot le singe. Ville MC, solide. Là, je peux faire des flèches. Je peux faire du tissu. Je peux faire du tissu et des flèches. En vrai, Paul Ville MC, un frère. Hein. Bon, c'est pas mal. Hein. Je vais prendre un peu d'eau, moi aussi. Bon, il faut qu'on aille chercher un pingulet. Pingulet, c'est un pingouin ou un Pokémon haut, quoi, tu vois. Ah putain, l'eau c'est vachement loin. Profitez-en, dans 10 ans il n'y en aura plus. Et dire qu'on se foutait de sa gueule, putain. On se foutait de sa gueule. Il avait tellement un temps d'avance. Ça c'est important à faire. Boum. Ça on fait comme ça, quand on se jette, on a un petit parachute, c'est toujours bien. T'es nickel. On fait 2-3 outils importants. On se fait des flèches. Est-ce qu'on peut se faire des petites sphères? Et après on va chercher un max de Pokémon. Pokémon. Ouais bon c'est pas Pokémon mais bref t'as compris. Honnêtement franchement ils ont géré hein. Je trouve qu'ils ont géré, c'est très addictif comme jeu. Et là je peux en faire combien? Une. Bon je vais me faire des flèches. Je vais me faire des flèches, qu'est-ce que je te dis, on peut rien faire. On peut plus rien faire, de toute façon on est plus chez nous. On se nous respecte pas. Là, il y a des brigands qui s'installent, c'est n'importe quoi. Ok. Bon, ce qui est bien, c'est que tu vois là il a un 10 de... en rouge, ça veut dire qu'il est niveau 10 lui, et qu'il est capé un peu. Il est capé par rapport à mon niveau à moi. Allez, on y va, on a 15 flèches déjà, 15 flèches de plus, c'est pas mal. On y va, on se balade, on prend, on a Finn Russell avec nous. Merci mec, putain il est trop content. Allez, on te récupère. Là, on a donc... on a 6 boules. On en trouvera sur place 26 flèches. Au pire, on a pas la batte, mais bon, bref, on se démerde. Je vais me vider les poches. T'as eu peur, hein. Ok, donc ça, on a tout vidé. Tout vidé. Nickel, toi, je te laisse bosser. En gros, ils vont à peu près bosser, les gens. Voilà, faut que j'arrose, parce que sinon, ils vont jamais... Je sais quand c'est bon ou pas. En gros, là, il me faut un putain de gars pour faire ça. Le sale boulot. Et après, Philippe Etchebest, il récupère tout ça. Il y a le clébard et Evenzi qui récolte. Et il y a Etchebest qui cuisine. Ah ouais, non, putain, c'est... Ah, tout est un peu long. On va pas les noyer, les baies, vous êtes sûrs? Parce que là, on fout un peu de flotte dessus, quoi. Est-ce qu'on peut pas juste attendre qu'il pleuve?
Non mais attends, je peux pas faire ça toute ma vie, regarde-moi ça, c'est long, c'est long. C'est long, on est déjà à 4 sur 7 sur le camp, franchement c'est pas mal. Juste il nous faut plus de bouboules quoi. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un espèce de Pokémon là, qui est comme les clébards, mais lui dans la ferme, il jette des boules. Ce qui est quand même très pratique, voilà. Nickel. Famine. Ah. Oh, on est en train de crever. Écoute, je vais mourir là, je vais réapparaître là. C'est un choix. C'est un choix que je décide de faire. Quitte à mourir, autant mourir juste à côté de l'endroit où tu renais, quoi. Et il va bientôt faire nuit, en fait. Non, pas bientôt, mais on a passé le milieu de la journée. Putain, la famine, ça blague pas, hein. Ouais, donc il faut absolument que je fasse des trucs de graines, là. Bon, attention, je vais mourir. Mec, je meurs pas. J'ai un de... Je meurs pas. Sans déconner. Sans déconner. Ah ouais, putain, ils en foutent. On va en avoir plein, putain. Mec, je meurs pas. Mais comment je fais pour mourir? Faut que je saute? Je vais aller dans le feu. Dans le feu, je vais mourir. Soyons honnêtes. Malin. Malin, mais j'avais un feu beaucoup plus proche. Et malin. Mais j'avais un feu beaucoup plus proche, quand même. Bon, bah écoutez, on renaît là. Merci bien. Hop là, on y va. Ah, on récupère pas toute notre life. Mais on a la satiété. Krivenzi a mangé des baies grillées. Bravo à lui. Merde. Oh, merde, c'est trop con, en fait. Non. Ok, c'est bon. Ah, j'ai eu peur, là. Je me suis dit, putain, je suis vraiment le roi des cons. Tu peux pas le récupérer, t'sais. J'aime bien quand c'est rangé, putain. Merde. Bon. Ok, let's go. Let's go. Nickel, ça récolte. Nous, on va faire... on peut pas améliorer, là. Ah, si, on peut améliorer. Bah, c'est nickel, ça. On peut remettre un gonze, mais on a pas assez de gonze. Ou alors, je mets le titan originel. Ah, je mets lui. Et on ira se péter avec Finn Russell. Ça me va. Ok, on y va. On va dans la zone de départ. C'est là où il y a plein de... On va aller là. Là, c'est très bien. Ah, mais attends, les pingulets, ils sont où? Ils sont plus par là, les pingulets, je pense. Ah, je sais pas trop, mais pour moi, ils sont près de l'eau. Ah, allez, on va là. Let's go. Oui, j'hésite sur tous mes choix, voilà. C'est... Excusez-moi, ma vie est faite de choix compliqués. Ok, donc là, pour le moment, il n'y a que des tanzis. Oh, il y a des captis. Capriti, j'ai bien envie d'en faire un. Ah, mais ça aussi, ça sert à... Attends, l'espèce de typhon, là. Il est trop mignon. On va le défoncer, quand même. Ok, on va récupérer la grosse bouboule. Nickel, ça se prend. Bon, lui, on va le défoncer. Hein. Désolé, mec, mais c'est... Oh, désolé, mec, mais... On est là pour te bombarder. Voilà, on te bombarde la gueule. En fait, on doit récupérer un truc qui s'appelle le fluide de pâle. Là, tu vois, ça a apparu juste au-dessus. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on va devoir leur faire une espèce de bain-douche, là. Ils vont kiffer. Ils vont kiffer, les... Le Capriti, j'aimerais bien le récupérer. Mais le problème, c'est qu'ils sont souvent à deux. Et en gros, quand tu veux récupérer le premier, le deuxième te défonce. Oula, attends. Faut qu'il le défonce, mais pas trop. Putain, Finn Russell, fais le boulot. Encore un petit coup, mais... Mais il est fou, lui. Vas-y, Finn. Fume-le. Attends, Finn, reviens, là, tu vas le buter. 53%. Putain, j'ai pas le droit à l'erreur. 59, s'il te plaît. Oh! J'ai essayé flèche bouboule. Putain.
Abattu. Abattu. Dégoûté. Dégoûté. Putain. 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 Putain, mais c'était parfait. Torben. Putain. Oh, enfin, je connais pas ton fils. Bon, bah c'est bien dommage. Bon, on récupère des petits trucs toujours. Allez, on y va. Non, mais je vois que ça vous fait marrer, ça vous fait marrer. Je trouve que, en fait, là je joue clavier-souris. Et en fait, pour faire des roulades, là, c'est contrôle. Et contrôle, ça force à te mettre ton petit doigt comme ça. Et c'est absolument pas pratique. Je trouve que c'est absolument pas bien pensé. Voilà, je tiens à le dire, ceux qui se posent des questions. C'est pas ergo, non, c'est pas ergonomique. C'est pas ergonomique du tout. On a plus que 5 bouboules. Pas fou. 5 bouboules, c'est pas fou. On n'a pas du tout le pingulet qu'on voulait. J'ai un peu craqué sur le Capriti. Ah, c'est pas des bonnes nouvelles, quoi. Les écureuils, on s'en bat les couilles. Ah, c'est pas des bonnes nouvelles, là, pour le moment, là. C'est pas des bonnes. Je vais aller sur la plage là-bas. Mec, j'ai cru que j'avais jeté une bouboule. C'est Finn Russell que j'ai jeté. Heureusement. Il faut qu'on récupère de la bouffe aussi, putain. Les roseaux, ça se mange. Et ouais, parce que Finn Russell, il va avoir faim aussi. Finn, le lamball. Non mais lui, je peux le récupérer direct ou pas? Il faut que j'en récupère 5. Est-ce que si je jette une boule? Non, quand même pas. Attends, faut que je récupère l'autre con parce que. Voilà, nickel. Nickel, il faut qu'on en récupère 5. Ah, il y a de la bouffe. Nickel. C'est vrai qu'on a tendance à crever de faim. Niveau 4, attention. Il est quand même nul. Voilà. Ok, on récupère bien. Écoute, on consomme toute notre bouboule. Mais tu vois, on en a 4 sur 5 là. On va faire le cinquième ou pas? Non, il n'y en a pas. Ok, on a des baies. On va nourrir tout le monde. On récupère un petit peu du stuff. Oh bah vas-y, il y a une bouboule là qui traîne. Nickel. On en a combien? 3, c'est affiché en bas, donc t'as ton arme sélectionnée, après ils te disent combien, on a 9 flèches. 9 flèches, c'est... Lui, il a rose, non? Il a l'air bloqué. Attends. Mec, ça coûte cher les boules, il est fou lui! Ils vont arrêter de me. Écoute, lui, c'est un truc de flotte! C'est l'arrêt. Chevauche le vent pour voyager à sa guise, son itinéraire prend fin lorsqu'il trouve son partenaire. C'est ce qui est génial. Du coup. C'est l'arrêt. Ça arrose. Bon bah nickel, au moins on a notre arroseur. Et il transporte des trucs. Bon bah c'est super ça. C'est super. Bon bah ça c'est l'arroseur. Un mec qui arrose. Un mec qui arrose des trucs. Moi bon, c'est Patrick Sébastien quoi. Lui c'est Patrick. C'est Patoche. C'est Patoche. C'est Patoche. Alors on sait. C'est Patoche. C'est vas-y je t'arrose un petit truc. Vas-y y a un petit truc à fêter là. Allez, on fête un petit truc là. C'est parti. Eux c'est des... C'est de la laine quoi. Eux c'est des pulls. Lui c'est chaussettes. Merde putain ouais je suis en QWERTY. Lui c'est chaussettes. Voilà. Confirmé. L'autre. Putain c'est mal branlé ça. Chaussettes. Lui on va l'appeler. Le pull. Pullover. Pullover. Et l'autre là, bien sûr c'est slip en laine. Slip en laine. Voilà.
Ah, c'est très connu, très très connu. Ça gratte un peu en hiver, mais ça fait plaisir. Là, on est bien. On est à combien? On a un point à mettre. On va le mettre là. On va aller chercher les 1000 de puissance. Là, là, on va manger. Tout le monde a faim. Voilà, on est bien. Ça, on a mangé, on est bien. Là, on a découvert des gronzes. Ah, bien sûr, c'est l'arrêt. Super. Et en techno, on a passé un niveau. On a passé un niveau, on a toujours pas de truc antique, donc je pense qu'il faut niquer un... On a quoi? Pioche en métal, hache en métal, toujours utile. Établi de qualité, bien évidemment. Portail en bois, on verra plus tard. Est-ce qu'on a débloqué des trucs par rapport au... Ah, voilà. Gants pour Stellaré. Ça sert à quoi? Des gants pour saisir Stellaré dans Parcé Nageoire avec douceur, bien sûr. À posséder accéléré dans l'équipe pour s'en servir comme planeur. Ouais, bon, c'est pas incroyable, c'est un planeur, quoi. C'est pas incroyable. Pas fou. Un peu décevant. Un peu déceptif, l'idée, là. Un peu déceptif. Un peu déceptif. Il nous reste combien de bouboules? Une bouboule. On va essayer d'attraper un dernier gonze. Ah, deux bouboules, autant pour moi. Il reste deux bouboules. De toute façon, il va bientôt faire nuit, là. Tu le vois, là, en bas, là, le soleil, là, qui est entouré. C'est la durée de la journée. Un typhon, des typhons. Le pingulet, c'était l'objectif. J'ai peur qu'on le fume. Reviens. Putain. Reviens. Reviens. Putain, mais... Putain, mais il revient. Non mais là il est trop loin. Oh! Oh! Non, il y avait un Stellaré Shiny. Non! Attends, faut qu'on le prenne. Shiny, ça veut dire qu'il est plus gros, qu'il a plus de style. C'est le Shiny qui arrive là? Ok, il y a le Shiny accompagné. What? What? Finn, prends soin de toi. Il va me buter, moi. Et putain, je suis dans le rouge. J'ai plus de vie. Je vais crever. Je vais crever. Je vais crever. Je suis mort. Ah, c'est dommage. Putain, un Shiny, c'est... Ils ont des caractéristiques de ouf et tout. Mais mec, il était niveau 4, le con. Niveau 4, il nous a plus le vert. Attends, faut que je récupère mon sac. Mec, niveau 4, il nous a... Enfin, il nous a pas trop respecté, le con. Niveau 4, sans déconner. Putain, c'est dommage. Ah, dans une autre game, j'avais récupéré le premier Shiny. C'était quoi, mon Shiny? C'était un Tanzi. Tanzi Shiny, c'était vachement bien. Il était plus gros que les autres et tout. C'était assez cool. C'est vraiment un gros Tanzi. Ah, il est toujours là. Il y a le Shiny dans quoi? Ah, mais j'ai une méga boule. Est-ce que je peux pas essayer avec une méga boule? Ah non, c'est bon, il est plus Shiny. Oh, je suis dégoûté. Ah, il est tout nul. C'est chelou ça qu'on retourne sur l'endroit du crime et. Peut-être avec une méga boule ça aurait été bien. Dommage. Dommage. Écoutez, on va rentrer au camp. C'était un très bon épisode. On est mort. On a grandi. La structure. Écoute, on grandit, quoi. On grandit. Il me reste quoi? Il me reste deux bouboules. Je peux peut-être défoncer des gars qui m'ont pas fait grand-chose. Ah, mais attends, j'ai un dernier lambal à attraper. Comme ça, au moins, on aura validé le truc, là. Viens là, mon con. Fonce dans la gueule. Voilà, c'est validé. Et toi, je vais te défoncer pour le plaisir. Je vais te défoncer, je vais te faire du mal. Je vais te faire du mal. Ah, j'ai une dernière bouboule, allez, ça mange pas de pain, ça mange pas de pain. Ça fera des petits bonhommes, ça fera des petits bonhommes quand même pour le boulot. Voilà, vous me trouvez des noms pour ces deux cons. Et on se retrouve la prochaine fois. Avec nos gros cuisseaux, notre peau toute rosée, et nos coups de soleil, et nos cheveux bien sûr. Soyeux. Et puis bon, on sera toujours avec Finn Russell et Patoche. Et puis après, on aura tout ça. Passez une belle journée, une belle soirée, une belle nuit. Je vous fais des gros bisous.
À très vite sur Palworld, sur les potes.